Oui, donc nous sommes devant l'espace 3000 actuellement, qui est donc le centre névralgique de notre organisation. Hein. Tout se déroule ici. L'accueil des athlètes, les inscriptions, le retrait des dossards, le protocole pour la remise des récompenses. En fait, on a à disposition cette belle salle, hein, donc appelée l'espace 3000, et qui est donc mis à disposition par la ville de Hyères, et qui nous permet donc d'accueillir tous les athlètes et les spectateurs dans les meilleures conditions possibles. L'espace 3000 bénéficie aussi de toute la structure, donc ça permet pour les athlètes de pouvoir prendre des douches, hein, se restaurer. Et puis tout autour, on dispose de plusieurs parkings pouvant accueillir pratiquement 1000 voitures. Donc on est en toute tranquillité en termes d'accès pour les athlètes, sachant que le premier parking est à moins de 50 mètres de la ligne d'arrivée. Donc c'est un véritable plus pour tous les acteurs de cet événement qui peuvent se garer au plus près. La ligne de départ, elle est située à 300 mètres d'ici sur le boulevard Geoffroy-Saint-Hilaire. Donc vraiment, tout est centré ici au niveau de l'espace 3000 et on ne pourra pas quitter ce lieu. Alors c'est vrai qu'on a un soutien complet de la ville de Hyères, hein, voilà, qui nous met à disposition donc l'espace 3000, qui nous met en place tous les matériels nécessaires sur le parcours, hein, les barrières et autres tables pour les ravitaillements, qui nous mettent aussi en place sur la zone de départ des WC chimiques. Enfin voilà, et on a en plus le jour de notre épreuve près de 30 policiers municipaux qui sont totalement mobilisés pour la sécurité sur le parcours. Et puis de notre côté, ben, l'OS Hyères, nous mobilisons pratiquement près de 200 bénévoles, hein, sur l'ensemble du week-end. Des bénévoles qui seront comme commissaires de parcours, hein, donc ils seront pratiquement 80 sur le parcours à sécuriser le parcours. Et puis tous ceux qui vont être sur la ligne de départ, la ligne d'arrivée, pour l'accueil, pour les dossards, pour la remise des récompenses. Enfin voilà, une très très grosse mobilisation de bénévoles qui sont aussi bien des gens du club, hein, des athlètes et puis parents d'enfants du club, mais aussi les amis, hein, qui sont fidèles depuis 20 ans, 30 ans à cette organisation. Donc nous proposons trois parcours différents, hein, semi-marathon, donc 21 km 100, un 10 km et un 5 km que nous appelons 5 km mais qui réellement fait 5 km 300. Cette épreuve n'étant pas labellisée, alors que les deux autres ont obtenu un label régional et donc sont qualificatifs pour les championnats de France de leur distance. Voilà, donc des parcours qui se partent donc de l'espace 3000, qui sont des parcours vraiment tout plat, aucun dénivelé sur les trois parcours, donc des parcours très rapides en plus avec des grandes lignes droites. Donc tout est fait pour avoir les meilleures conditions possibles pour réaliser une très belle performance. Et on a très souvent de vraiment de belles performances sur notre parcours et de nombreux athlètes qui réussissent à faire les minima pour se qualifier pour les championnats de France. En termes de compétition proprement dit, ben on a 1800 dossards d'ouvert pour cette compétition, 800 sur le semi-marathon, 800 sur le 10 km et 200 sur le 5 km. On limite exprès cette participation pour vraiment faciliter les flux des coureurs, à ce qu'il n'y ait pas de gêne aussi entre eux sur le parcours. C'est pas qu'on ne puisse pas en accueillir plus, hein, là il n'y aura vraiment pas de problème, mais on préfère quand même accueillir bien les gens, les accueillir proprement, avec un sourire, qu'on ait le temps de les accueillir, plutôt que d'aller un petit peu à la va-vite en faisant du chiffre et faisant du nombre. Voilà, nous on privilégie la qualité. Et puis on est à Hyères, donc voilà, même si aujourd'hui, lorsqu'on peut voir un petit peu la météo, ben elle est un petit peu grise, on a vraiment souvent de très belles conditions pour notre compétition. Et puis on passe sur des sites quand même qui sont vraiment très très sympathiques, hein, bord de mer, des étangs avec encore des flamants roses à cette époque de l'année, des longues rivières, dans des petits chemins encore. Donc on a vraiment un parcours qui est vraiment sympathique à parcourir. 3-4, vas-y. Donc là, on est sur la partie environ du 7e kilomètre, 7-8 kilomètres du semi-marathon. Hein, donc comme vous pouvez le voir, on est sur une piste cyclable, hein, donc en pleine protection.
Vous pouvez vous rendre compte aussi que le parcours est tout plat, une grande ligne droite. Et puis bon, bah, ce qui est vraiment sympa, c'est pour ceux qui auront un petit peu le temps, tourneront la tête sur le côté et puis pourront découvrir petit à petit la presqu'île de Gien. Voilà, impression de courir, on est en bord de mer, voilà, l'île de Porquerolles au large. Et puis tout ce qu'on appelle les îles d'or, l'île de Porquerolles et l'île du Levant au large. Tout en revenant un petit peu plus loin, on avait une très belle luminosité, on pourrait découvrir le fort de Brégançon tout au fond là-bas, en allant vers le Lavandou. Alors c'est vrai que on n'a pas de chance aujourd'hui. Hier qui est réputé pour son beau temps. Aujourd'hui on est dans le gris, un petit peu de pluie. Et puis on retrouve donc de nouveau la piste cyclable. Que vous emprunterez là maintenant on est dans le sens de la course et on va se diriger vers le 8e kilomètre. Alors cette année, la petite nouveauté, nous avions plusieurs demandes depuis plusieurs années concernant notre départ, parce que nous faisions partir l'ensemble des trois courses en même temps à 9h. Et c'est vrai que plusieurs athlètes nous disaient pour les ceux qui cherchent la qualification, c'était un petit peu dommageable au niveau de la ligne de départ. Donc on a décidé cette année de décaler les départs. Donc effectivement, à 8h30, on aura le départ du semi-marathon. Et à 9h, on aura le départ du 10 et du 5 km. Donc c'est la nouveauté pour l'édition 2020. Sur cette organisation, est soutenue, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, par la ville de Hyères, mais par de nombreux partenaires. C'est vrai que c'est le nerf de la guerre. On sait très bien qu'il n'y a pas d'organisation sans avoir de soutien de on parlait des bénévoles tout à l'heure, mais aussi donc des partenaires. Et donc on a pu vraiment tisser des liens avec le monde économique de la ville de Hyères, et on a un soutien qui est quand même très correct pour notre organisation. Voilà. Ouais, Théo, tu étais comme commissaire sur le parcours l'année dernière. C'était quoi un petit peu ta fonction et tes difficultés rencontrées ce jour-là ? Nous, on devait un petit peu orienter les coureurs justement au stade Berthaud, où le parcours il est un petit peu compliqué parce qu'effectivement certains coureurs arrivent, continuent tout droit, d'autres reviennent. C'est un endroit où il y a une petite boucle à respecter. Donc nous, on était là pour orienter les coureurs qui sont pas toujours bien au courant du parcours. Et on est là pour sécuriser aussi les coureurs par rapport aux éventuelles voitures qui peuvent passer sur le parcours, les vélos qui continuent à pratiquer un petit peu. Donc la protection des coureurs et l'orientation des coureurs. Et globalement, t'as un bon accueil, vous avez un bon accueil de la part des athlètes. Ah super, ouais, on essaie de les encourager quand on peut. On a un très bon retour des athlètes quand ils peuvent nous faire un petit coucou ou quoi que ce soit. Et puis en général, les gens sont très contents, ouais. Merci Théo pour cette première information. Avec deux athlètes du club, Audrey et Blandine, qui sont à l'organisation de cette épreuve. Audrey, elle, était en ravitaillement en 2019 et de nouveau cette année sur le parcours en 2020. Audrey, quelles étaient un petit peu tes sensations en termes de ton action au ravitaillement ? C'était la première fois que je passais de l'autre côté de la barrière. En tant que coureuse, j'étais toujours devant et puis là, donc, j'ai pu participer à cet événement. C'était assez instructif et puis très sympathique, en tout cas comme ambiance, avec une très bonne ambiance au niveau des coureurs et de mes co-bénévoles sur le ravitaillement. Est-ce que vous aviez un petit peu le temps d'encourager les athlètes ? Oui, tout à fait. Les premiers, non, ils étaient vraiment très rapides, mais après, on leur disait allez, parce que moi, je me mettais, en étant coureuse, je me mettais à leur place, donc je les encourageais, je leur disais allez, courage, surtout les derniers, plus ça avançait, plus ils tiraient un peu la langue, donc je les encourageais, ils me disaient ah, merci, c'est gentil. Oui, il y avait un petit échange, c'était rapide, c'est sûr, mais il y avait un échange. Et Blandine, toi, tu étais sur le parcours en 2019, de nouveau cette année en 2020. Qu'est-ce que tu penses du parcours du semi-marathon pour t'entraîner souvent sur ces différentes routes ? Comme le disait Marie tout à l'heure, c'est un parcours qui est hyper roulant. Il n'y a pas de dénivelé, c'est sécurisé. Donc c'est super. Vraiment un bon parcours pour faire un temps sur un semi. Il y a des bénévoles tout le long qui nous encouragent tout le long. Et c'est vrai que c'est une belle course et il y a de quoi faire. Il y a du potentiel. Ouais. Ok, vous allez le faire cette année là ? Non, on va être bénévole nous cette année. D'accord. Ouais. Moi je l'ai fait en 2018 parce que j'étais pas encore au club. Voilà. Mais là, en tant qu'adhérente du club, il y a beaucoup d'autres courses, mais là on se doit d'être présent pour organiser au mieux la course et donc être côté organisateur et non coureur.
Qu'est-ce que vous avez comme objectif sur cette saison-là, vos objectifs de cette saison, ce qui m'intéresse en tant qu'athlète, et en, plus, voilà, en dehors de la course du coup. Alors nous préparons toutes les deux. Nous préparons un marathon qui a lieu dans 10 jours maintenant. Dans 9 jours. Ouais. Donc c'est pour, ce pourquoi aussi on ne pourra pas faire le semi, du club, participer au semi du club. Et, donc on participe au marathon de Barcelone le marathon 15 mars. De Barcelone le 15 mars. Donc, gros challenge, c'est notre premier. C'est notre premier à toutes les deux. Donc voilà. On s'entraîne depuis 10 semaines pour ça. Voilà, c'est ça. Je reviendrai vous voir après. Ouais, avec plaisir. On est bien entouré avec objectif, le club. L'objectif, quel résultat vous comptez avoir sur Barcelone? Alors déjà de le finir. Et de bien le finir, mais on est très bien encadré. On est parti sur un temps de, disons, un peu moins de 4 heures. Un peu moins de 4 heures, voilà. Si tout se passe bien.